Au Féminin, le magazine qui fait la promotion de la gente féminine sur Tosungana Télévision. Bienvenue à tous. Je ne suis pas seule dans ce plateau, je suis accompagnée du docteur Natacha Ngakuna. Qui est-ce? Quelles sont ses ambitions? Quel est son parcours? Ce projet, ensemble avec vous, nous allons le découvrir. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, ça va bien. Alors dites-nous, qui est le docteur Natacha Ngakuna? On peut vous connaître? Alors, je suis le docteur Natacha Ngakuna. Donc, je suis née à la clinique Ngaliema, début année dont je m'intéresse justement. Okay. Donc, j'ai fait mes études ici au Loupio, Limété, ensuite Ngaliema et après avoir obtenu justement mon diplôme d'État, je suis partie en Belgique où j'ai fait la faculté de médecine et une spécialisation comme médecin de famille. Et donc voilà, ça fait une dizaine d'années que j'exerce maintenant comme médecin de famille. Et peut-on connaître la petite histoire dès l'enfance jusqu'à ces jours? Tout à fait. Donc, comme je le disais, j'ai vécu avec mes parents ici au Congo hein, jusqu'à mes 18 ans. On est passé par la commune. Je suis née, comme je l'ai dit tout à l'heure, on habitait à Matete et puis on a habité à Lemba. Et pendant les 10 dernières années que j'ai passées à Kinshasa, on était à Matadi Kibala. Okay. Donc, voilà. Mais en revenant comme ça, vous êtes passé vers Matadi Kibala. C'est toujours évidemment, comme vous l'avez laissé. Ça a beaucoup changé, il y a du bien, il y a beaucoup de changements, ça c'est sûr. Hein. On ne retrouve plus le quartier de l'enfance, mais voilà, on a toujours ça dans le cœur, c'est le quartier dans lequel on a grandi. Et dans la société congolaise, en quelle qualité vous aimez bien qu'on vous présente? Alors, dans ce que je sais faire le mieux, dans le milieu médical, hein, donc docteur Ngakuna, Natacha. Alors, docteur, peut-on savoir déjà quelles sont vos ambitions? Je pense que je vais aller vraiment dans ce que je sais faire le mieux, dans le milieu médical. Donc, on va s'occuper de la santé, vraiment, ce qui me tient à cœur en ce moment, mon cheval de bataille, ce sera vraiment le postpartum. C'est-à-dire que quand on regarde maintenant dans les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de morts en postpartum. Une femme qui accouche, qui décède. Vous imaginez cet enfant, ce mari, ses parents, et ça fait mal. Je pense qu'il faut vraiment un suivi important en postpartum. Donc c'est vraiment sur ça que je vais me baser. Et on a encore d'autres projets qu'on va développer. Ici au Congo. Voilà. Alors, pour ceux qui vous suivent, vraiment, c'est sûr que vous allez abattre un travail et puis l'achever jusqu'à la fin parce qu'il y en a qui viennent, qui veulent faire quelque chose pour le Congo et qui commencent, mais qui ne terminent pas, qui sont bloqués par certaines difficultés qui arrivent, des fois c'est le gouvernement qui n'étend pas la main ou encore qui fait des embûches hein, autour de cette personne et il n'arrive pas à avancer pour arriver à terme avec son projet. Vous êtes sûr que vous allez arriver à terme malgré toutes les difficultés qui peuvent se présenter devant vous? Je pense que aller dire le gouvernement, je pense que chacun doit d'abord faire sa part. Il y a beaucoup de difficultés qui peuvent se présenter. Tout à fait. Chacun doit faire sa part. Il y a des institutions dans ce pays. Lorsqu'on est médecin, on va s'inscrire à l'ordre des médecins. En passant par l'ordre des médecins, il y a la zone de santé. Donc, je pense qu'on fait d'abord, on se conforme aux lois du pays. Je me conforme aux lois de mon pays. On passe par les différentes institutions et je pense que si tout est fait dans la légalité, je ne vois, pour le moment en tout cas, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher un médecin de travailler pour son pays, m'empêcher de travailler pour mes compatriotes. Pour le moment, je ne rencontre pas de difficultés. Les choses,
C'est vrai qu'il peut y avoir des délais pour l'obtention de quelques documents, mais les choses suivent bien leur cours. Donc, voilà. Et donc, c'est quoi le projet de faire un hôpital ou... Alors, actuellement, on est occupé à faire une polyclinique, justement à Matadi-Kibala. On est en train de prendre toutes les autorisations, passer par les différentes zones de santé, les différents bureaux, l'ordre des médecins régularisé également. Donc, dès que ce sera fait, de toute façon, c'est imminent, hein, parce que ça fait quelques mois qu'on est occupé à faire ça. Les bâtiments sont déjà là, les installations sont déjà là. Dès qu'on a l'autorisation, donc on pourra commencer. Mais la démarche se passe bien ? Oui, ça se passe très, très bien. Ça prend un peu plus de temps, mais ça se passe bien. Moi, je n'ai pas eu des bâtons dans les roues, par exemple. OK. Parlons de l'actualité. Avez-vous déjà rempli votre devoir civique d'enrôlement ? Oui, ça a été fait aujourd'hui. On était à Mitendi, donc j'ai rempli mon devoir civique. Je peux même présenter ma carte de lecteur. À Mitendi. Oui. On vient de loin, en effet. On a parcouru. On a quand même mis du temps à arriver, mais finalement, ça a été fait. Waouh. D'accord. Et vous n'avez pas de quelque chose à émettre par rapport à l'organisation et tout ça ? Vous vous êtes enrôlé facilement ? Alors, c'est vrai que l'enrôlement, c'est un petit peu difficile, il y a beaucoup de monde, mais ce que moi je vais dire, c'est que j'incite tout le monde à le faire, à exprimer sa voix. Je pense que on peut choisir ses dirigeants. Donc, j'invite vraiment les gens à s'enrôler massivement. Et en tant que leader, en tant que femme, parce que cette émission est consacrée à la gente féminine, qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil à ces femmes qui veulent faire quelque chose pour le Congo, mais que souvent, elles sont confrontées, elles n'arrivent pas à bout. Donc, parce qu'elles sont femmes, il y a certains stéréotypes qui font qu'elles n'arrivent pas à bout. Alors là, je vais m'adresser à la jeune fille. Jeune fille congolaise, toi qui m'entends, je pense que tu as un cerveau. Lève-toi, prends courage et avance. Ce qui nous manque des fois, c'est cette envie-là, c'est ce courage. On est quand même dans un pays où nos filles vont à l'école, et ça, c'est vraiment bien. C'est un des pays d'Afrique où les enfants vont vraiment à l'école. Ça, c'est vraiment chapeau. Alors, ne pas se dire que je ne suis là que pour me marier ou faire des enfants. Je ne dis pas que le mariage, hein, ce n'est pas une finalité en soi parce que je le suis. C'est bien, mais ça peut aller aussi avec autre chose. C'est-à-dire, ça peut aller avec un travail. On vit quand même dans un pays où on a de la famille autour de nous. On peut nous aider pour s'occuper des enfants. Moi, je suis une mère, j'ai deux enfants. Ça ne m'empêche pas de faire mon travail. On peut s'organiser... dans une journée, voilà, ça n'empêche. Le fait d'être femme n'est pas un handicap. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas un handicap. C'est vrai que je suis la seule fille d'une famille de trois enfants, donc il y a deux autres garçons, mais ça n'a jamais été un handicap en soi. Il faut se donner toutes les chances. C'est ce que j'ai fait. Je me donne toutes les chances. Je ne me dis pas que je me compare à un homme parce qu'on est tout à fait différents. Chacun a ses compétences. Mais je ne me donne pas des limites, par exemple, par rapport à mon travail. Je me lève, je me dis, je vais y arriver, alors vas-y. Et je dis également à la maman qui se lève à 5 heures du matin pour aller s'occuper de ses enfants, vas-y, tu vas y arriver. On n'a pas toujours besoin d'être dans des hautes fonctions pour pouvoir exister. On peut être dans le commerce, on peut être dans la couture, on peut être dans plusieurs choses. Chacun s'exprime. Il y a plusieurs moyens d'expression. Mais ce que je retiens vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est vas-y, fonce, fais les choses correctement, tu vas y arriver. Natacha Ngakuna a des ambitions, bien sûr, de faire quelque chose dans le domaine sanitaire. Et dans le domaine social, n'avez-vous pas eu cette envie de faire quelque chose pour la gente féminine ? Une fondation ou quelque chose comme ça? Alors, dans le domaine social, on a la fondation Dr Ngakuna. Ok. Dont les objectifs sont vraiment de s'occuper de la femme en soi,
de la jeune fille, de la fille mère, et donc vraiment donner de la chance à cette fille qui a eu un enfant très tôt, qui n'a pas été à l'école, lui dire que ce n'est pas grave, que tu peux recommencer ta vie. Oui, tu as un enfant, oui, c'est arrivé, mais tu peux apprendre. On apprend dans la vie, même à 50 ans, à 60 ans, on apprend. Tu peux apprendre à coudre, tu peux apprendre à fabriquer des coussins, déjà, par exemple. Déjà, peut-on savoir, elles sont donc, nombreuses à adhérer dans... Oui, tout à fait. En fait, je travaillais d'abord avec ma mère, Madame Jeanne Matensi, qui était ambassadrice de la paix à l'époque. On parle d'il y a 10-15 ans en arrière. Okay. Et donc, je ne fais que continuer aussi ses œuvres. Donc, nous avons une association ONG, voilà. Et elle avait déjà une ONG, donc en association avec ma fondation, où ce que nous faisons, c'est que nous nous occupons d'environ 70 mamans veuves, okay, du côté de Mitendi, justement. Et nous faisons des dons en nourriture, en vêtements, en médicaments également. Mmh. Et donc, on fait avec nos moyens. Et aussi, il m'arrive aussi, donc je dirais, il y a un an et demi, nous avions été dans un centre pour enfants orphelins, pour déposer aussi des vêtements. Et ces enfants sont suivis par un médecin. Et moi, j'interviens surtout pour tout ce qui est médicaments. Donc, voilà. Et donc, vous n'avez pas eu du mal avec les mamans, les dames, à les conscientiser ou encore à les sensibiliser ou encore à changer leur façon de voir les choses? Non, pas du tout. On n'y va pas brutalement hein, en disant que voilà, allez-y. Non, non. C'est une exhortation, c'est quelque chose, on prend le temps, on lui explique, on lui montre des exemples. On dit, regardez, telle femme, elle y est arrivée. Donc, je pense que vous aussi, à votre niveau, chacun avec son niveau, on va dire, d'intelligence. Parce qu'on est tous différents. Mm. C'est pour ça que chacun occupe une fonction différente. Mais ce qu'on leur dit, c'est que tout le monde est important. Mm. C'est vraiment ce message-là qu'on essaie de partager avec eux. Et dans le changement de mentalité, puisque c'est toujours dans le même sens, vous pensez vraiment que le Congolais arrive à changer de mentalité par rapport à ce que vous connaissez de la RDC? Un changement. Je pense qu'on va y arriver. Il faut se donner la chance. Hein. Ne pas être défaitiste et se dire on ne va pas y arriver. Non. Il faut essayer. En combien de temps un pays comme la Chine a pu... allez, il y a 20 ans, on ne parlait pas des Chinois. Ils y sont arrivés comment? Ils se sont donné les moyens. Il faut se donner les moyens. Bon, je pense vraiment, voilà, il faut se donner les moyens et on n'y arrivera pas aujourd'hui, mais on espère justement qu'il y ait plusieurs mamans comme ça, plusieurs personnes qui se lèvent en se disant, on y va, on va y arriver. Merci beaucoup, Madame Natacha. Dernière question pour, en fait, suiter en beauté. Mm-hmm. La gente féminine en République démocratique du Congo et la force, en fait, de la RDC, parce que désolé, il y a beaucoup de mamans qui sont femmes ménagères ou encore femmes maraîchères, mais qui nourrissent toute une famille. Vous vous rencontrez de veuves qui nourrissent la famille et qui éduquent en fait, les enfants et tout. Et souvent, nous avons des slogans qui font que ces femmes, ces minimisent à cause des slogans qui parcourent ici en République démocratique du Congo. Pendant que ce sont ces femmes qui, datant dans les tribus datant, ce sont les femmes qui sont plus comme, comme je peux dire, voilà, leaders dans de familles, dans de clans. Et aujourd'hui, ce sont aussi les femmes qui nourrissent, ce sont aussi les femmes qui amènent du changement dans la vie des enfants, dans la vie de beaucoup. Même quand ils deviennent ministres ou qu'ils deviennent tout à fait dans une position haute, ils arrivent toujours à revenir vers maman pour des conseils et tout cela. Donc, ce sont les femmes. Tout à fait. Et avec ces slogans qui font en sorte que ces femmes puissent du coup se dire ah, que je laisse ou carrément que faire, mais ce pays ne va jamais changer, mais qui va nous aider, mais par rapport à la morale, là, je parle
tous les slogans qu'on entend parler, la moralité et tout ça. Quelle est votre lecture face à cela? On dit en Lingala, moi si, justement, voilà. En parlant de ce genre de slogan, moi si atungaka ekolote mbokati. Mais dans la Bible, on dit la femme sage bâtit sa maison. Je pense que c'est ça. Je pense que lorsqu'une femme est mise à sa place, c'est-à-dire une bonne maman aura des enfants, comme vous l'avez dit, bien éduqués. Une famille solide, une base, j'appelle toujours ça une base solide, oui. Donnera des enfants bien éduqués, que ce soit des garçons ou des filles. Ce ne sera pas des délinquants. Moi, qu'on voit beaucoup de délinquants dans la rue, on se demande, la plupart, ce sont des enfants qui n'ont plus de famille, qui n'ont personne. Donc, éduquer la femme, comme on dit, ce sera éduquer toute une nation. En revenant aux femmes maraîchères, je pense qu'on devrait mettre ces femmes en avant. La femme qui vend dans un marché ne vaut pas moins que celle qui est dans un bureau. Il faut changer ses mentalités. Tout travail, l'argent qu'on a, on ne saura pas si on a un billet de 10 000 francs. On ne va pas savoir si ça vient du marché ou d'un bureau. Donc je pense qu'il faut apprendre à la femme que tout métier, tout le monde est important. Valoriser ces femmes, leur dire que même si tu vends à même le sol, il y a une fille qui s'appelle Docteur Épice sur TikTok. Elle vend des épices, mais ça n'empêche pas d'être une femme, ça n'empêche pas d'avoir de la valeur, de s'exprimer correctement. Il faut valoriser ce genre de personnes. Donc moi, ce que je dis, c'est même si tu vends dans un marché, il faut lui... Allez, l'argent n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Donc, il faut valoriser tout le monde. Et si aujourd'hui, le monde, en fait, on refait le monde, vous aimeriez toujours être une femme? Oh oui, pourquoi? À 1000%. Pourquoi? Parce qu'une femme a un cerveau multitâche. Une femme qui est malade s'occupe de ses enfants. Une femme qui est malade va travailler. Une femme qui est malade s'occupe de son mari. Et croyez-vous... Elle s'oublie. C'est vrai que... Moi, je dis que mon plus beau métier, c'est d'être maman. D'accord. À toutes les mamans, je crois qu'elles ont bien aimé ce que vous avez dit. Oui. Croyez-vous que la femme, dans de prochains, dans 5 ans ou encore dans 10 ans, peut arriver à la tête de la République démocratique du Congo pour diriger? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense qu'une femme peut être éduquée, peut diriger. Parce que diriger une maison, ce n'est pas évident. La femme congolaise, hein? On parle de la femme congolaise. Oui, je parle de la femme congolaise, évidemment. Diriger une maison, ce n'est pas facile. Les institutions de l'État également, ce n'est pas une maison. C'est, entre guillemets, le nec plus ultra, on va dire. Mais je pense qu'on peut y arriver. Oui. Avec la femme congolaise. Oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qui en fait? Quels sont ses atouts, selon vous? Ses atouts, c'est une femme qui peut apprendre, qui est éduquée, qui peut éduquer la masse, parce que c'est important, justement. Hein, là, je reviens sur nos jeunes filles. C'est important. L'image qu'on donne à l'autre est super importante. Ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon d'être avec les autres fera venir les gens vers toi ou éloignera les gens. C'est hyper important. Et donc, en revenant sur les qualités de la femme congolaise, nous avons beaucoup de femmes instruites. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a des femmes qui sont dans des institutions, dans des banques. Voilà. La femme congolaise, si on doit comparer avec plusieurs pays d'Afrique, et une des femmes qui a été valorisée, on ne nous empêche pas d'étudier. Donc, je pense que... L'Assemblée nationale, elle a été dirigée par qui à un moment donné par une femme. Et elle a fait un travail remarquable. Et donc, sur le plan politique, social ou encore culturel, comment voyez-vous l'année 2023 comme tout citoyen? L'année 2023, c'est l'année de tous les enjeux. Je pense qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Donc, on veut les choisir, on va les choisir. Il faut s'enrôler, il faut exprimer sa voix. Ce train ne partira pas sans nous, en tout cas.
Et quel conseil donnerez-vous aux femmes et aux filles qui vous entendent en ce moment? Conseil direct aux femmes et aux filles. À mes sœurs, à mes mamans, à mes grandes sœurs, à mes grands-mères, on va dire, à la femme. Ok. Sache que il faut savoir que vous avez de la valeur. Valeur ne veut pas dire maltraiter les autres, manquer du respect, être celle qui maltraite les autres, être celle qui a du répondant, on va dire. Se donner du courage et ne rien lâcher. Nous finissons vraiment par là. Et oui. La femme leader, selon vous, congolaise, oui. Leader et congolaise, oui. Doit adopter quel comportement? La femme leader congolaise doit avoir un comportement exemplaire. Comme je le disais tantôt, ton comportement, en fait, la communication se fait par la façon de se vêtir, la façon de se maquiller, la façon de parler, c'est quelque chose de très important. Donc vous aussi, vous n'aimez pas la façon dont les Congolaises ont vécu? Non, je ne dis pas que je n'aime pas la façon dont les Congolaises s'habillent. La femme congolaise s'habille très bien. Je parle de celles qui sont dans les déviances, parce que nous sommes des femmes africaines. Nous avons certaines formes qui, dans notre société, peuvent choquer. Donc il est important de s'habiller décemment. Ça donne une bonne image et ça force le respect. D'accord. Sa façon est par également de s'exprimer, avoir un langage bienveillant, correct, moins vulgaire, c'est très important. Merci beaucoup, docteur Ngakuna. Merci à vous, madame. Alors, nous allons attendre voir en fait vos réalisations, oui. Vos projets, comme vous l'avez dit tantôt, un projet. Qui est un projet émergent, un bel projet, un beau projet pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà qui met donc fin à cette émission. Vous l'avez compris, vous avez suivi, vous avez aimé, vous avez découvert la personne du docteur Natacha Ngakuna. Et c'était dans Au Féminin, votre magazine qui fait la promotion de la gente féminine. Merci.